C'est pratiquement la fin de l'année, hein, et c'est un vrai bonheur en tout cas pour nous d'avoir partagé, bien sûr, 70 minutes chaque semaine. Sachez que ça a été très renouvelé et on a beaucoup apprécié, on a beaucoup aimé. Occasion pour nous de vous dire merci pour votre fidélité et de vous souhaiter la bienvenue à ce numéro de Faso Hit. Faso Hit, vous le savez, c'est l'actualité musicale au Burkina Faso. Et en termes de vidéo, nous vous proposons ce qu'il y a de mieux, ce que nos artistes savent faire de mieux. Ce sont les meilleurs qui passent à cette émission. Occasion pour nous, en tout cas, de tirer notre chapeau à l'ensemble des artistes. C'est que on dirait que cette année, en tout cas, a été l'année des artistes au Burkina Faso. Et c'est tant mieux, tout simplement, pour cette réussite. Bienvenue à tous et à toutes. Au menu de ce rendez-vous, vous aurez Showbiz, ce qui fait l'actu sur la planète People. Et nous vous proposerons également des nouveautés en termes de vidéos. D'ailleurs, on s'installe avec Eddie. Eddie qui nous signe ici Watimalgi, extrait d'un album qui est baptisé jusqu'au bout. Voyez, après 10 ans, bien sûr, de galère, l'artiste revient avec sa nouvelle production discographique. Vous voyez plutôt, c'est une très belle vidéo, c'est un chef-d'œuvre, c'est pour vous. Yeah, c'est lui. Non, à la guerre, on veut la paix. Wati malgré, puis on va ranger, faut pas gâter, la basse qui s'ennuie. Wati malgré, puis on va ranger, faut pas gâter, la basse qui s'ennuie. Bayuri, balo de couvrier, le bouillonne, baou présomie, donc si on n'a pas tabac. Yamaye suraye don tiaro song ataba don tiaro long ataba zaba pasomo pakonton ba fiye takun tak ya wamzoko pinin kula lingu izi benere dengan damam chise binefa yikuwa yikuwa na tankwende tirmeton ba ila balia tonan so pore la taure yala tonan so gwabgala ngu yala tonan so tia nogo tia togo yala tonan so wati malge hey yon ba ronge po pa gate hey tabas di somi wati malge hey yon ba ronge po pa gate hey tabas di somi Yamba, bina kampo uka tu brem, ambisi sambisi umam gomna, epangela de la resia, ukin bila saka tu manzweki mana, onga fasun kono hambe kele ye kele, onga bulundi omonga barake barake, sinti kono fe hadim be balula, doni doni lebe borofa, no, wala ge, hombe la pe. Bo mini bore ham bien sing woro kamalam sangom ni wa ham bien sing mini bo mini bore ham bien sing bo kamalam sangom ni wa ham bien sing mini bo mini bore ham bien sing upel kamalam sangom ni wa ham bien sing mini bo mini bore ham bien sing Kudugu kamalam sengum ni wa ambiance Wati malge, hey, yon ba roje Faut pas gâte, hey, la basse qui s'ennuie Wati malge, hey, yon ba roje Faut pas gâte, hey, la basse qui s'ennuie Apare bouti na ni ya bengi wa piya uwa Apare bouti na ni ya bengi wa piya uwa Faut pas te fâcher, je dis rends-toi beau, faut pas t'énerver, je dis rends-toi beau, il faut sourire. C'était à l'instant Eddie qui nous signait le titre Wati Malgi, extrait d'un album qui, je le rappelle, est baptisé qui est baptisé jusqu'au bout. Album qui est disponible sur le marché du disque. C'est vrai qu'à un certain moment, beaucoup ont annoncé très vite la mort artistique de ce jeune garçon. Et pourtant, tout simplement, voilà, il a traversé des moments durs, mais aujourd'hui, en tout cas, il est là avec sa nouvelle production. Et vous le savez, c'est un artiste qui mérite qu'on le soutienne. Raison pour laquelle, à cette émission, nous n'allons pas déroger à cette règle-là. Nous l'accompagnons également. C'était
Watimalgué à l'instant. On continue notre randonnée avec cette fois-ci deux jeunes garçons, en tout cas, qui ont un concept. Un concept qui, en ce moment, qui marche bien, seulement beaucoup de doutes encore, à savoir si ce sont des Burkinabés ou bien ce sont des étrangers. Mais rassurez-vous, ce sont des Burkinabés, deux jeunes garçons qui ont le vent en poupe en ce moment, avec un concept qui ressemble à un onomatopée. Ils ont baptisé leur concept Yéperépéré. Mais voyez plutôt la vidéo. Il se nomme tout simplement le groupe Yélecroix. A Salfo, à Nambou, à Paris. Vima Poga, Fosankabada, Bourassa, Moussouye. Vima Poga, Fosankabada, Abdullah. Moussouye, la Yabra, Balabouye, la Majesté de Mounaba. Moussouye, la Blaquette, Yindi. Fosouye, Men, Kadrabat, Fosouye, Mongwani, Azeka. Le groupe se nomme Yélecroix à l'instant, le concept Yéperépéré. C'est vrai qu'on est sûr hein, que s'il y a une bonne promotion autour de ce concept et que les disques jockeys acceptent bien sûr ce concept dans les nightclubs et dans les discothèques, c'est un concept qui va faire bouger en 2014 en tout cas. On y croit et on pense que vous-même vous avez pu non seulement apprécier la vidéo mais apprécier également bien sûr la sonorité qu'ils viennent à l'instant de nous proposer. On continue cette fois-ci, dans peu de temps vous retrouverez Showbiz, ce qui fait l'actu sur la planète People. Mais bien avant, on vous invite à découvrir le Burkina Faso pour ceux qui ne le connaissent pas. Et bien sûr, c'est un message qu'on va lancer hein, à tous ceux qui nous suivent via le net, via le profil Facebook de votre émission. Chico nous dit, viens au Faso, il y a de belles choses à voir. C'est une très belle vidéo, c'est pour vous. Viens au Faso,
fa sol la et do de. Bien au fa sol. Je te dis bien au fa sol. Bien au fa sol. Au fa sol la et bon de. Bien au fa sol. Au fa sol la et do de. Bien au fa sol. Il y a le fespaco. Et aussi le siyaho, c'est le Burkina Faso. Les jolis goûts de Ouaga, c'est le Burkina Faso. Les poulets braisés de Ouaga, c'est le Burkina Faso. Je te dis bien au Faso. Sola et doule. Je te dis bien au faso. C'était à l'instant Chico qui vous invitait bien sûr à venir découvrir le Burkina Faso, ce beau pays. Et c'est l'occasion d'ailleurs à cette émission de faire un coucou à Pierre là-bas, hein, qui, il faut le noter, a réalisé une série de documentaires, bien sûr, que vous pourrez bientôt voir sur bien sûr vos petits écrans, sur les potentialités touristiques et artistiques, bien sûr, du Burkina Faso, une fraîche chef-d'œuvre que nous vous invitons, bien que nous allons vous inviter à voir lorsqu'il sera tout simplement projeté. Qu'est-ce qui fait l'actu sur la planète People? Il faut dire que l'actualité est très fournie cette semaine. C'est Showbiz, c'est tout. L'événement tant annoncé a finalement accouché d'une souris. En effet, Arafat Diguié n'aura pas mobilisé plus de 1000 personnes dans un stade qui en attendait plus de 35 000. C'est un stade de 4 août quasiment vide qui a accueilli le commandant Zabra et le Yorogan. Prévu pour 16 heures, c'est finalement autour de 22h30 que le clash a eu lieu devant une foule déjà en colère. Même que ceux qui se lassaient d'attendre ont préféré rentrer chez eux. Finalement, le public présent a eu droit à un concert playback de la part des artistes qui ont accepté jouer. Et puis parlons toujours de ce concert, beaucoup de problèmes ont été constatés dans l'organisation de cet événement. En effet, il n'y avait pas de badge pour la presse à telle enseigne qu'il fallait faire appel à un membre de l'organisation pour avoir accès au stade. Ajouté à cela un vrai problème de sonorisation car après l'entrée de Floby, plus de 20 minutes se sont écoulées avant que l'on puisse débuter le concert. Aussi en pleine prestation de l'artiste, la musique se coupe et il fallait attendre 12 minutes encore avant que le concert ne recommence. Des artistes annoncés tels que Claire Bailly, Emilio Didier, Inès, Stéphanie Umac et Dolisiana de Bordeaux étaient absents sans que les organisateurs ne donnent les raisons de ce flop.
A contrario, le conseil du CAO lui a réussi à tirer son épingle du jeu. Si le magnifique annoncé était absent, Imilo, le chanceux, Tinès, Sanabob, Ahmed Mani ont représenté le Burkina Faso, tandis que JC Pluriel, Révolution, Flamzy et Joska ont défendu leur couleur de la Côte d'Ivoire. Le conseil n'a pas réuni le monde tant attendu, mais le public a effectué les déplacements pour communier avec les artistes. Seul hic à l'horizon, c'est que le conseil de Bobo Dioulasso, qui devait avoir lieu le lendemain, c'est-à-dire dimanche 15 décembre, n'a pas été effectif au grand désarroi des Bobolais. Et c'est pour en savoir davantage que nous avons joué au téléphone le patron de Wenpanga, la personne de Ben Kelly. Selon lui, des problèmes d'ordre organisationnel et financier l'ont contraint à annuler l'étape de Bobo Dioulasso. Nous avons saisi l'occasion pour revenir sur les polémiques nées avant et après le clash du 14 décembre, en commençant par le Kaflobi. J'avais discuté avec le staff de l'artiste. Voilà, donc j'avais eu le OK. Je suis un professionnel. Je sais que je ne pouvais pas m'hasarder à commencer les sports sans l'avis du staff de l'artiste. Bon, évidemment, c'est ce qu'il s'est passé. J'avais donné un rendez-vous, c'est-à-dire on s'est vu vendredi, on s'est donné rendez-vous lundi pour gérer les modalités. Bon, j'ai été devancé par mes concurrents. À ma grande surprise, quand j'ai appelé, mes concurrents m'avaient déjà devancé, donc j'étais obligé de changer carrément le spot pour ne pas faire la nuance entre les choses. Alors, une autre question également concernant aussi, puisque tout à l'heure on a parlé de Flobi, il y avait également une polémique autour des artistes comme Imilo Digi et Tinès. On s'est rendu compte qu'ils n'ont pas joué chez votre concurrent, finalement ils ont joué chez vous. Alors, est-ce que vous y êtes pour quelque chose en fait? Non. C'est ce que j'avais dit. Avec Flobi, c'était pas une histoire de d'amalgame ou de... Non, parce que j'ai été le premier à contacter tous les artistes. Oui. J'ai été le premier à contacter tous les artistes au niveau du Burkina. Je pense que j'ai contacté les artistes depuis le mois de novembre. Oui. Pour préparer ce projet. Oui. Voilà, donc c'est peut-être les autres qui ont fait de l'amalgame. J'ai été le premier, je connais à peu près tous les artistes du Burkina. On s'est appelé, on a discuté, on s'est entendu et on a arrêté quelque chose pour pouvoir faire le concert. Après, je me suis rendu compte que ma même liste se retrouvait sur d'autres affiches. Que je n'arrivais pas à comprendre. Voilà. Justement, okay. Parlons de Imilo Digi et de Tinès. Est-ce que vous les avez contraints en fait à annuler les concerts avec votre concurrent? Non, jamais. Jamais, j'ai jamais fait ça. Je pense que c'est des artistes, vous les pouvez les prendre en interview. Le plus important pour moi était mon événement au CAO. Le reste, ça, moi, je n'avais rien à foutre. Je pense que j'avais eu le manager d'Emile au téléphone. Je lui ai dit, c'est vrai, je suis pas content, j'ai vu votre afficher les autres, mais c'est pas grave. De toutes les façons, moi, j'ai besoin de vous à partir de 22h. Alors, dernière question. Aujourd'hui, au vu du spectacle, quel est votre sentiment, satisfaction, déception? Bon, pas déception, parce que on s'attendait même pas à ce qu'on a eu, parce que on a lancé l'événement, après on s'est rendu compte que on avait des concurrents face à face. Bon, le même jour, tu sais, nous sommes dans une ville, quoi qu'on dise, mais nous voilons pas la face, Ouagadougou est aussi une petite ville, et c'est les mêmes consommateurs qui vont partout, donc on était obligé de partager les clients, donc c'était un peu difficile. Et côté communication, bon, la théorie des autres était un peu plus forte que nous, parce que nous, on n'a pas eu de sponsor, mais on a fait de notre manière, et le monde que nous avons eu au niveau du CAO, vraiment, ça montre encore que nous pouvons espérer pour le showbiz burkinabé, parce que ça m'a encore donné le courage de continuer, même si j'attendais plus que ça en toute honnêteté, parce que je comptais sur le plein du CAO. Je ne l'ai pas fait, mais néanmoins, je n'ai pas été ridicule. Pour te dire, j'ai présenté un plateau où tous les artistes ont été présents, donc déjà, c'était une satisfaction. Le public était content, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. C'est vrai que j'ai fait du business, mais dans le spectacle, ce n'est pas forcément souvent du business, mais il faut que souvent le professionnalisme aussi ressorte de ça. Donc j'ai vu ça à moi, c'est déjà une fierté, pas forcément l'argent, parce que si on parle d'argent, mes dépenses ont été tellement énormes que jusqu'à aujourd'hui, je continue de payer les dettes, c'est pas grave, mais en toute honnêteté, la satisfaction était au rendez-vous. Et bien sûr, c'était Showbiz. Je rappelle que c'est une rubrique que vous pouvez retrouver sur le profil Facebook de votre émission et également à tout moment sur le site de Burkina 24. Occasion pour nous d'ailleurs de faire un coucou à toute l'équipe de Burkina 24 avec Dieudonné bien sûr à la tête. On va continuer bien sûr notre randonnée musicale pour retrouver cette fois-ci un groupe qui nous parle d'amour. C'est la formation Zodiap. Une belle vidéo et un très beau tube à l'appui également, même si beaucoup ont cru au
au début que c'était tout simplement des Antillais et son Burkinabé également. Dans les yeux, j'ai fouillé, sous la mer, je cherchais toutes les plages, j'ai marché, les forêts traversées. Le groupe se nomme Zodiap, ils ont un album sur le marché des disques burkinabé avec de très magnifiques titres, mais ce tube-là il va cartonner, on y croit en tout cas, une très belle mélodie qui vous fait voyager dans les profondeurs des Antilles, des Caraïbes, de la Martinique, tout en restant au Burkina Faso, avec ce jeune groupe en tout cas, on leur dit notre chapeau. C'est vrai que de plus en plus, nos artistes, c'est vrai, utilisent ce qui vient d'ailleurs, mais savent l'adapter à leur contexte, à notre contexte on va dire tout simplement. Zodiap à l'instant, Amour, extrait d'un album qui est disponible sur le marché du disque, je le rappelle. On retrouve cette fois-ci une autre formation, le groupe se nomme Barkala. Ils nous proposent un tube, en tout cas ils font la promotion du Liwaga. C'est tout de suite. Ça vient du ghetto. On fait bouger les go et les potos. Sans façon, bouge au rythme de ce son. Laisse-toi aller dans l'univers de ma chanson. Tu verras comme c'est bon. Trop trop bon, ça devient bonbon. C'est le bon moment pour toi de délirer. Attache ta ceinture et viens, on va danser. Tout est permis, même les interdits. Le bon style, tu ne peux que flipper. On met un feu de joie dans la cité. On n'est pas des pyromanes ni des mythos. Juste mettre la joie dans le cœur des mélomanes. Rien à faire, c'est Oza et Pismon qui assurent la soirée pour les goûts et les mondes. Yembo Yibo, Tabo du Sobo, Nase Nou, Yo Betu Kebe, Liwa Rasho dans la cité, Liwa Raten dans la cité. Yembo Yibo, Tabo du Sobo, Nase Nou, Yo Betu Kebe, Liwa Rasho dans la cité, Liwa Raten dans la cité. Vieux, vieille, jeune, fille, jeune, garçon avec Bacala, stop. Perversion, attention, prends une bonne position et glisse ici avec la fille que tu kiffes. La musique ne fera que vous suivre, la chaleur ne fera que monter, à faire péter le matos branché. On va bouger, on va danser et s'amuser sans avoir pensé. Si tu veux le train de
la joie monte à bord. Je te préviens, attache ta ceinture d'abord. Ma déposée, on distribue la joie pour les citadins et les villageois. Chéri Coco, les Gumbati de Sao Po, les Ouagachos du Burkina Faso. Soluaga, Soluaga, Mali, Kombaye, Soluaga. Le Liwaga Show avec bien sûr le groupe Bakala, avec aussi un album qui fait en ce moment son petit bonhomme de chemin, album qui est sorti en 7 fin 2013 bien sûr au Burkina Faso d'une manière générale. On tire pratiquement vers la fin de cette émission, mais on a encore le temps hein, de se réécouter hein, le tube Pédaler Pédaler, le concept de Nicolo DJ. C'est pour vous, c'est pour tous ceux qui sont amoureux du cyclisme, pour tous ceux qui de temps en temps font du vélo. Et bien sûr, c'est ce concept du Pédaler Pédaler qui va refermer les portes et les fenêtres de ce numéro de Face au Hit. Sachez que ça a été un réel plaisir pour toute l'équipe d'avoir partagé ces, on va dire, ces 30 minutes avec vous. Michael se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne suite sur la télé 100% passion. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver également à tout moment sur YouTube et également sur le profil Facebook de votre émission. Occasion pour nous d'ailleurs de faire un coucou à tous ceux qui nous suivent du côté de Kourougou, du côté de Bobo Dioulasso, du côté de Waiguia. On vous dit merci pour votre fidélité, ça a été un réel plaisir pour nous et on se dit à samedi prochain tout simplement. Ciao, ciao. Mama gagna va mo pedale, tout le monde on y va pedale, tout le monde a mama pedale, DJ Nicolo ka pedale, DJ Solina ka pedale, DJ Peter pedale, tous les cyclistes y font son wa 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 wa. Chaque Burkinabé a son vélo, ouais, ça fait partie de notre tradition. Allez pedale, pedale tout le monde pedale, Ouagadougou ça va pedale, Bobo Dioulasso ton pedale. Le Tour du Faso, l'événement qui marque le Burkina Faso. Le pédaler, pédaler, la danse des cyclistes. Colonel Yakuba, Yakuba Wedra Ogoé. C'est toi le ministre des sports, papa j'ai dit de pédaler. Ouraï Mamaïga, respect toujours respect. C'est toi le maestro, j'ai dit de pédaler. Alassane Ouangarawa. Papa Bakala l'intelligent. Dans la main de combat, dans la main de combat, la combat, ce malou, ce malou, ce malou, ce malou, ce topo dans la guéba, dans ma bouille, dans mon nom, comme ailleurs. Ousbila Santara. La combat, la main, la combat, 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 la